Bon, résumons la situation. Une moto, le Mont Chiliad, un parachute. Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec toute cette merde? Et bon, on va laisser fonctionner notre putain d'imagination. Ouh, ouh, le fail. Bon. Bonjour tout le monde, c'est Clément1325, j'espère que vous allez bien. Même après ce magnifique fail qui va me coûter 3000$. Donc j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la 7ème partie du walkthrough. Enfin du playthrough de GTA 5. Et donc on va être ressuscité à cet hôpital pour la bagatelle de 3700$, je dirais. 3100. Parce que j'ai perdu beaucoup de pognon à force de faire des conneries. Bon, du coup, vous pouvez voir que notre ami Trevor a pas mal changé depuis la dernière fois. Je lui ai mis un costard, je lui ai rasé la tête et mis de la barbe. Parce que je trouve qu'il ressemble un petit peu à Max Payne, comme ça, du moins dans le 3. Je trouve ça plutôt sympa. Sinon, on peut avoir d'autres coupes. J'ai même débloqué de nouvelles coupes, enfin, de nouvelles coupes principalement de... Ouais, s'il y a des barbes et des cheveux. Mais bon, il n'y a rien de vraiment très très intéressant, je vais vous montrer ce que ça donne. C'est des coupes qu'on débloque quand on s'inscrit au Rockstar Club. C'est pas forcément génial, c'est ça. C'est même très moche ça. Et au niveau barbe, c'est la moustache de biker, que j'aime pas non plus. Donc je préfère rester comme ça avec les lunettes de soleil, ça fait un petit peu Max Payne comme je l'ai dit. Et j'aime bien. Donc, on va lancer le motherfucking timer. Hop, voilà, c'est parti. Et on va choper une bagnole pour aller faire l'émission. Ou, encore plus simple, contact, taxi. Allez, envoyez-moi un taxi. One of your finest taxi cabs, please. On its way, sir. Voilà, ta gueule, envoie-moi mon taxi. Hop, plus je peux me le faire. Oh, allez, bim. Bim, 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 bim. Et mon taxi est arrivé. Hop, on va monter dedans et foncer à notre mission avant que les flics arrivent. Et donc, on va aller là-bas et on va passer le trajet pour que ça aille encore plus vite. Et on va s'occuper donc de la mission de Trevor qui est... Je ne le sais absolument pas, à mon avis c'est notre pote qu'on avait envoyé chercher à Los Santos. Et donc du coup on va voir ce qu'il a découvert. Voilà, c'est lui. Chaque fois que je passe devant la caravane, il est toujours en train de gueuler. Pour ceux qui se demandent pourquoi la bagnole de Trevor est blanche, c'est parce que je l'ai customisé via l'application mobile. Ça m'a coûté énormément cher parce que j'ai mis des tonnes de trucs, j'ai... mis des pneus par balles, j'ai amélioré le blindage de la bagnole et des conneries, mais voilà, en gros ça sert à rien et ça m'a coûté 20 000. Mais voilà. What's going on, Ron? They were here for you. Who was here? Them bikers. After you killed Johnny Kay. And they damage my stuff, huh? They smash up my home, damage my soul. This. This statue here of impotent rage, this fucking meant more to me than Johnny K meant to anyone, and they smashed it. Those pathetic, midlife crisis, hog riding, shaven headed, fruity leather, chapped wearing fucking assholes. They're assholes, Trevor, they are. They're chapped wearing assholes. Wait, you little shit. Whoa. Hey. Michael fucking Townley, right? Bitch wife, two kids, 45, find him. Los Santos is a big place, Trevor. There's lots of people. You are fucking useless. Huh? Find out who did that fucking robbery, all right? And if Michael Townley lives there, or anyone matching his description, I'm gonna kill you and your fucking cousin. Am I being clear now? Yes, Trevor. Thank you, Wayne. Now smile. Yeah, right? That's better. Run along. Now, Ron, shall we go? I cannot believe that they fucking destroyed my statue of impotent rage. The cheek, huh? The fucking cheek of it. Ouh, ça sent la balade en quad. I gotta swing by ammunition. Go to Sandy Shore's airfield. Check it out.
On va aller à la Munation, je sais pas encore ce qu'on va acheter, mais je sens que ça va être déboîté du poney. Et ensuite, on va aller à l'aéroport, si j'ai tout compris. Hop, on est à la Munation. Et voyons ce qu'on va acheter. Melvin, how you feel about brand synergy, huh? TP Industries, Ammunition. Good, because you're about to make a corporate gift of a rifle, a high-powered scope, and a suppressor. Take whatever you want, Trevor. I can't afford another fire. That sniper on your wall looks like it'll do the job. That's the chestnut. Now I need a scope and a suppressor. Trevor est vraiment un putain d'enfoiré. Parce que il a... Apparemment il a déjà cramé la boutique du mec. Et donc le mec lui file pas ce qu'il veut, il va refaire cramer le truc. Et apparemment le mec ne peut pas se permettre d'avoir un autre incendie sur les bras. Donc ça prouve vraiment que Trevor est un bel enfoiré. Et on va aller rejoindre Ron à l'aéroport. Enfin à l'aérodrome. Donc je suppose qu'on va piloter un peu. Ça ferait vachement plaisir en tout cas, en espérant que je me débrouille mieux que la dernière fois. Ouh ta maman! Parce que vous vous souvenez quand même du résultat par rapport au... à l'avion qui avait fini dans une tour. Hop, la citerne, c'est celle-là. Of course there are! Two planes are touching down at the field on a weapons run! I'm up here. I don't see the hardware, but I do see a hell of a lot of bikers. Hardware's not here yet. I'm coming up. On va monter tout en haut de la citerne et on va sniper un petit peu, je sens. We gotta wait till you can slip in there unnoticed. Should give you the time to plan a route to the gas tank you're rigging up to blow. Enough waiting. This is your moment, Ronald. Whenever you get a doubt in your mind, I want you to remember that I'm watching you through the scope of a high-powered rifle. Right, Trevor. Right, right. Got it. Now, relax. J'ai pas trop compris ce qu'il faut que je fasse. ATV can only take you so far. Park it and don't let them spot you. Can you see me, Trevor? Here, by the road. Oui, je peux te voir pour l'instant. You wouldn't believe this, Ron. One of these assholes is having a seizure or something. That's me. That's me. Well, get a move on. I'm moving. Allez, magnéto. Okay? Allez, dépêche. Si j'ai tout compris, il va aller faire diversion. Et je pense qu'il va falloir que je le protège. Mais me connaissant, c'est moi qui vais le tuer. Avec une balle un petit peu mal placée. Désolé mon pote. Come on, keep it moving. Allez, bouge. Shit, I hear an engine. They're gonna see that guy you shot. Et merde. Shoot out the lights on the tower above him. Il faut que je fasse péter la lampe. There's one. Et il faut que je fasse péter les deux. Oh ta maman. Merde. Et voilà. Je peux aussi buter le chauffeur. Allez, descends mon petit. Descends. Allez, j'en ai marre d'attendre. Mais apparemment, il faut voir ce qu'il... Allez, bim. Et on s'en fout. Oups. C'est bon. Balle dans le cul. Merde, j'aurais pas dû lâcher. Ok, I'll get to him. Bim. Down he goes. Can you get your sights back on me? Come on, man. D'abord, je vais recharger. Il est où? C'est bon, je te vois, ta gueule. You're in my crosshairs again. There's no one left to kill, so get over to that gas tank and plant the bomb. Allez, dépêche-toi. But there's a guy coming out of that building.
I think. I can hear him. Là. Shoot! The guy had a buddy in the building. He's come out. Vite, vite. Guy clocked yes. The body. Take him out before he blabs. Good kill, Trevor. Allez, dépêche. Ou c'est toi que je tue. Oh putain. Tiens. Allez, dépêche-toi de te barrer. Il est où? Il est où? If I hit the chopper, everyone's gonna know we're here. Try and hit the pilot when he's settled. They might think he crashed. Might they? They might. Il est là, l'hélico. Il faut que je bute le pilote. Yeah, mon pote! Allez, on se casse en quad. Il faut aller chercher l'autre bouffon. Hop. Bon ben on sort un fusil et on les pète. Ça c'est aussi un fusil qu'on obtient quand on... Qu'est-ce que j'allais dire? Quand on se connecte au compte Rockstar Club, Rockstar Social Club, ou Rockstar Games Social Club, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Et ça nous permet d'avoir ce fusil là gratis. Enfin, c'est plus une mitraillette qu'un fusil donc... C'est meilleur à courte portée, mais c'est gratis, donc on s'en balance. En plus, tous les accessoires, si j'ai bon souvenir, sont gratuits. Hop. Là, il y en a un. Il est dans la... dans l'espèce de grange. Tiens, toi, tu crèves. Toi, tu crèves. Toi, tu crèves. Il y en a un juste là. Il est là. Non ! Pourquoi j'ai... Pourquoi j'ai pas surveillé ma vie, bordel? Pour activer son super pouvoir. Je suis vraiment une quiche sans déconner. Désolé d'avoir soufflé dans le micro. Et on va chercher l'autre brel. Hop, lui, je lui pète son pied. Hop, lui. Suivant, il m'en faut un qui soit visible. Hop. Lui, la petite tête. Hop, en mode berserk. Bitches. Bon, par contre, le temps est ralenti, on dirait. C'est sympa, mais voilà, sans plus. Hop, on va essayer de détruire cette merde. Il y en a un. Allez, bute-le. Et il faut que je me casse avant de finir par crever. Hop. Et on va aller prendre l'avion et on se casse. Et là, ça va être de la rigolade. Oh non. Carrément. Let's go mon pote. Ça mon... Ça c'est du vrai. Du vrai, du bon, du gros. Hop. Le mec il est allongé sur l'hélice de l'avion. Bon, c'est parti. Allez, envole-toi plus vite. Plus vite. Merde. Allez hop, le truc qui pète. Ça aussi, ça va péter. Allez. Bim. Et apparemment, Trevor utilisera l'autre avion. Oh, tu vas le buter, oui. Hop. Oh, tu fais quoi toi? T'as rayé mon avion, bouffon. Hop, voilà.
Hop, il y a un mec qui essaye de monter. Je suis désolé si j'ai passé l'espèce de cinématique. Mais j'ai pas fait exprès. C'est pas mon problème. Oh oui, un looping. Allez, c'est fait. Et il faut le suivre ou quoi? Hop, on rentre le train d'atterrissage. Up north to our Canadian cousins, where the lost were likely to be sending them. J'ai vraiment frôlé la montagne. Our other neighbors, those in the south, our Mexican brethren. I'd assume you got all kinds of connections in Canada. Why would you make an assumption like that? It's obvious. Why is it obvious? Spell it out for me before I order you to fly that plane into a mountain. Because of where you used to operate. Weren't you pulling scores in North Yankton and running cargo over the border? Oh. Yeah. Yeah, sure I was. Ça va, l'avion est pas trop chiant à contrôler, quoique il y a quand même des trucs qui sont pas forcément instinctifs, mais sinon ça passe. On va essayer de passer sous le pont, ça devrait passer. Non, on va éviter les conneries, me connaissant ça va pas passer. Hop. Comment je suis censé larguer les trucs, moi? Et on va les larguer là-bas, apparemment. Le survol de la base militaire est interdit. Blablabla. Comment je fais pour larguer le matos? Au-dessus de la balise. On vole le plus bas possible. Hop. Plus bas, je peux pas vraiment. Et ça se livre tout seul. Et voilà, c'est largué. Shipment successfully delivered, Ron. Et remember, on rentre au bercail. Est-ce que j'ai un parachute? I'll butcher your carcass and wrap you in cheesecloth. Bon, ben, let's go faire la course avec l'autre bouffon. On va prendre par le chemin le plus court, c'est-à-dire la ligne droite. Et comme on doit arriver à la piste d'atterrissage, je suppose que on n'a pas de parachute et qu'il faut mettre l'avion intact. Mexico. Yeah. Guy in the boat is Oscar Guzman. He's in with the cartels. If there's a market, this could be a way to expand the business. Like I hadn't thought of that. We might be able to buy into Oscar's thing, but leave that to me, Ron. I'm sorry to ask this, but does your contact pay well for this kind of shipment? Because I've got those lawyer fees for the divorce and my settlement costs. Oh, he pays. Better than any in this sorry country. That's good to hear, man. We'll talk about the exact split when we're grounded, okay? Alright, T. Je sens que notre pauvre copain Ron va se faire entuber par Trevor, qui va lui refiler une toute petite part du butin. La piste d'atterrissage, on va sortir le train déjà. Et je vois la piste d'atterrissage. Piloter l'avion avec elle, les couvernes, ça je le savais. Hop, c'est ça la piste d'atterrissage, on est d'accord. Je crois que j'ai réussi. Oui, je me suis arrêté avant la fin. On va reculer un petit peu. Hop, et on va réavancer du coup pour aller se garer là-dedans. Hop. Et nickel, c'était easy peasy ça. I think that was adequate restitution for my impotent rage statue. That was a mighty fine statue, Trev. That was a mighty fine piece of plastic shit. But
There is no price for emotional attachment. I mean, you might forego your cut to, alleviate my heartache. I might? Yeah, I mean, I will. Good idea. We don't have time to dwell on that now, because we got more runs, Ron. If there is one thing that they need south of that big fence, it is guns! Trevor Phillips Industries! Technical expertise, managerial innovations, unstoppable! Oh, that's right! Now go! I need to meditate. Or masturbate. Or both. Et donc, du coup, j'avais raison. Il s'est bien fait entuber, le pauvre Ron. Et du coup, Trevor se fait un max de thunes. Et on peut se faire des thunes en achetant des propriétés. Des missions de gestion, ça peut être intéressant, ça. Mais pas pour la caméra. Smoke on the water, c'est de la marijuana médicale. À mon avis, c'est achetable par Trevor uniquement. Franklin. Et là, on peut faire du trafic pour Oscar, notre contact mexicain. Et combien ça coûte cette merde? Ouh, on a gagné 62 000. 6 ponts, un avion, blablabla, c'était quoi ça? Bon, du coup, combien ça vaut cette merde? What the fuck, 150 000? C'est sûr que je peux pas encore me la payer. Du coup, on va prendre un parachute si on en trouve un. Hop, Oscar a dû te payer pour les flingues, on dirait que t'as fait du ménage. Hop. On dirait que t'as fait du ménage à l'aéroport des Lost, ce qui est complètement désert, ça veut dire que maintenant la propriété est à nous. Blablabla, je veux un parachute avant de sauter dans cet avion pourri. Parce que j'en ai pas, et que je me connais, je vais pas réussir à faire un atterrissage propre, donc je préférerais avoir un parachute, s'il vous plaît. Ou, au pire, on fait ça sans parachute. Et on se larguera dans de l'eau, ou je sais pas quelle connerie. En espérant que ça fonctionne. Allez, accélère. On va prendre un petit peu de vitesse. Voilà, allez. Allez, et là faut décoller. Yes, easy peasy. Hop, on va voler pas trop au-dessus de l'eau. Vu que je sais que la maison de Trevor est là. Les Chinois, ils sont où? Parce que si les Chinois sont pris dans notre lac, on va se larguer. Non, ils sont pas près dans notre lac, donc on va sauter ici. Quoi? Mais je suis pas mort du tout! J'ai sauté avant l'explosion de l'avion et avant qu'on arrive sur la Terre. Voilà, c'est pour ça que je pourrais jamais me payer à l'aéroport, parce que je fais que crever et qu'à chaque fois ça me coûte 5000. Putain! Bon! Eh ben... On va pouvoir aller chercher les Chinois à pied maintenant. Enfin à pied. On va passer chez Trevor récupérer sa bagnole déjà. Chez Trevor déjà, c'est de l'autre côté. Non, c'est bien dans ce sens-là, Trevor. Hop. Allez, magne-toi. Le fusil de précision à verrou est maintenant en vente dans votre armurerie Ammunition. Allez, cours petit. Voilà, il y a notre 4x4 qui nous attend là-bas. À moins que... on prenne cette merde. Hop, parce que ça, dans les dunes, c'est nickel. Hop. Et merde. Hop. Voilà. Tranquillo. Et maintenant, on s'occupe de la conduite. Hop, chinois, bien par là, mon petit chinois. Il est par où? Il est là. Hop, le petit tonneau. Je maîtrise.
Hop, on a même pu garder la portière. Et voilà. On revient au bar où on avait trouvé notre petit chinois. Et on va le repêcher. You're damn right. Chang, spreadsheet. Let's head outside and talk terms. La 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 la. Right in. Gentlemen, I think I have proved that my organization can handle weight. And I think I've proved that my organization is a reliable supplier. In short, it's you and me. Now give me some of that goddamn axe. I'm afraid we want to go down a different path. What? We want to explore other opportunities. 坏家伙, 坏死了, 要不要我帮你放松一下? Shut the fuck up! Our boss, Mr. Chang's father, wants something a little larger. We want to move drugs, perhaps guns. This is my life's work. I mean, since I was a little kid, I dreamt big. You know, I've always wanted to be an international drug dealer and a weapons trader. All right, so I'm begging you. Let's make this happen. I'm very sorry. You're sorry? You're fucking sorry? I just spilled my fucking guts out to you, and you say to me, you're sorry. Who are you working with? Hmm? I'm not at liberty to say. Oh, no, no, no. You're at fucking liberty. In fact, I'd say you are obliged. Who? Fucking who? 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 The O'Neill brothers. The O'Neill brothers, huh? Yeah. You shitting me? No. Because those fucking O'Neill brothers, I hear a little birdie telling me that they have a bit of a problem, since one of them's gonna have to be surgically removed from the skull of the other. Fuck you guys and fuck them! Bon, bah on va aller faire la fête à ces connards. You're awful, every last one of you. Allez, roule. On va prendre un petit raccourci que je connais par cœur. Celui qui passe par ici. This music's all fucking wrong. That's what I'm looking for. Hop. La BF Injection qui retombe quasiment toujours sur ses roues. Donc ça, il n'y a pas de problème. Hop, nickel. Ça passe. Bon, on va répondre. Elwood O'Neill, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Trevor, it's business. That wide-eyed idiot was mine. It's business, Bella. You want to discuss it? We're at the farm. Ernie, Earl, Walton, Wynn, Dale, Doyle, Daryl, Dan, all of us. Start writing those names on tombstones, because I'm on the way to your lab, and we're gonna see how much of a family meth business you got when I'm done. Apparemment, ils sont beaucoup quand même, les frères O'Neill. Oh, you are going to die. Mais bon, ça devrait pas trop être un problème. Et comme vous avez vu, je suis un professionnel de salto avec la BF. Hein. Hop. Allez, sur les roues. Yes, ça. Je vous l'ai dit, je suis un professionnel. Ne refaites pas ça chez vous, les enfants. Oh, putain. Wouhou, ça passe. Et là, ça casse. Mais pas pour moi. Hop. Et let's go sur la colline avec mon AK-47. Quand on était à la munition, j'aurais dû acheter des munitions de lance-patate. Oh, à moins qu'on doive sniper. Ou carrément se les faire à la main. Je me les ferais bien tous un par un à la main. Quoique... S'ils ont des guns, c'est pas la peine. I just spoke to that maniac Trevor. He's coming. Get down to the meth lab to protect it. I hope he don't get through these idiots, but we know they're idiots. Come on, let's go see them Chinese fellas. Qu'est-ce qu'ils foutent ces connards? Oh, how many brothers you got, you? On va détruire le labo de meth du coup. Inbred
freaks. Et là, on va commencer par buter ces deux connards avec des guns. Voilà. Nickel. Là, il y a encore deux, trois connards. Avec un peu de chance, je peux me faire la collate. Ouh, yeah. Hop. Et hop. Voilà, c'est tout bon. Là, il y en a un. Là-bas, il y en a un autre. Il y en a un qui est là. Tu crèves, mon pote. Il y en a un qui est là. Il y en a un qui est là. Et il y en a un qui est là. Et il me semble que j'ai eu à peu près tout le monde. Bon, ça devrait suffire pour l'instant. On va quand même garder un flingue à la main. En termes de sécurité, je pense que ça devrait suffire. Pas envie de gâcher des balles de AK. Hop, donnez vos flingues, bande de tarlouses. C'est quoi ça? C'est un joli canoncier et un peu de vie. Bon, la vie, j'en ai pas besoin, donc de toute façon, on s'en tape. Quand on sortira, je veux faire péter cette grange. Mais pourquoi attendre qu'on sorte? Allez, les gardes me cherchent, tant pis. Mais je veux voir à quoi ça va ressembler quand ça aura tout pété. Même pas le bâtiment, il se détruit. Vous vous foutez de ma gueule. Hop, tant pis. On va devoir affronter quelques connards. Hop. Bim, la K-47, tant pis. Voilà. On va rentrer comme on peut. À la guerre comme à la guerre. Hop, bim. Toi couché. Ah, j'ai activé le mode berserk sans savoir la vie qui me restait, mais j'ai bien fait quand même. Et voilà. Et il en reste un. Oh putain, je sais où il y a de la vie. Hop, voilà, on désactive ça. Il n'y a pas besoin de le gâcher. Hop, voilà, nickel. Et on y retourne. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème, toi? Ouvre la porte. Ouvre la porte, je te défonce. Je te vois. T'es un bouffon. Tiens, 2-3 tirs dans les fesses et c'est fini. Toi, je te vois là-bas. Tu ne peux pas fuir. Hop, t'es mort. On va détruire le labo de Met. Que je ne sais absolument pas où il est. Il est dessous. Mais où dessous? Ça, c'est une bonne question. Comment on descend, bordel? Il me faut trouver les escaliers. Là, il y a ceux qui montent. Où sont les putains d'escaliers qui descendent? Oh, sérieux? Bon, on va fouiller un peu la maison, hein, parce que je pense qu'il y a d'autres trucs intéressants. À l'étage. Hop. Bonjour. Toi, t'es mort. Là, il y a un fusil à pompe. Avec un peu de chance, on pourra aussi trouver des items secondaires. Il y a des morceaux de lettres. C'est un item en 50 parties en fait, et quand on a retrouvé les 50 parties, ça nous permet de savoir qui a fait un meurtre de je sais plus quoi, et du coup ça sert à rien. Mais voilà, ça sert quand même à avoir une quête secondaire à la Rockstar où il nous faut trouver des 50 ou 100 trucs sur la map qui sont éparpillés, et c'est le bordel de trouver. Mais voilà, ils font ce qu'ils veulent, après c'est leur jeu. Bon, bah apparemment il n'y a que dalle. Hop, on va essayer de trouver ce putain de labo. De toute façon, il n'y a plus personne pour me faire chier, donc j'ai tout mon temps. Est-ce que ce serait par là? Non, bien sûr que non. Par ici, alors. Non, bien sûr que non. Putain. Mais par où on descend? Sérieux, là il y a de la vie qui ne sert absolument rien. Ah bah c'est par ici. Eh ouais, j'aurais dû m'en douter, c'est marqué sur la map. Enfin c'est marqué. Dégage.
Hop. I don't know how many of my brothers you smoked, but you ain't touching this lab. Get out of here. On va verser un petit peu d'essence. Get gone, creepy SOB. Get. Hop. Well, look at this. Le pauvre, il va crever. You smell that? Heureusement que l'essence diminue vachement lentement. Parce que sinon, je pense pas que je pourrais tenir jusqu'à l'extérieur de la maison. Allez, plus vite. Allez. Je pense qu'il restera plus beaucoup d'essence à la fin. C'est dommage parce que je vais devoir en racheter un autre. Ça m'aurait arrangé de garder celui-là. Hop. Allez, plus vite, Trevor. On a moins de la moitié d'un bidon. Hop, voilà. On va s'arrêter à 30. Merde. Bon, du coup... Ouais, non, on va tirer une balle de flingue. Hein. Ils méritent pas plus, ces bâtards. Allez. On va voir ce petit carnage. Et kaboum! Yeah, c'est ça que je veux voir, avec un gros ralenti. Allez, Cassos. Nickel. Voilà, on est des vrais héros. Ceux qui butent les méchants. Hop. Et on va donc retourner chez Trevor parce que c'est là-bas qu'il y a la prochaine mission. Et avec un peu de chance, c'est là-bas qu'on va retrouver Michael et Franklin pour pouvoir passer à l'étape suivante et retrouver nos anciens compagnons. Là, le triathlon, je l'ai fait avec Franklin. Avec Trevor. Et c'était pas évident parce que c'était vraiment une brêle en endurance. Mais j'ai quand même réussi. Et je sais pas comment j'ai fait. Bon, quand on... Turbo compresseur et châssis de qualité pour véhicule. Ok. Donc je disais, je sais pas trop comment j'ai fait parce que il avait pas beaucoup d'endurance. Je sais que j'ai pas mal pioché sur sa vie parce que quand on a plus d'endurance et qu'on continue quand même à courir, au bout d'un moment ça pioche sur la vie. Mais j'ai quand même réussi. Et je m'en suis pas trop mal sorti honnêtement. On va éviter de sauter du véhicule en mouvement. Et on va aller voir ce qui nous attend là-dedans. Allez, Trevor. Let's go. Qu'est-ce que tu veux, toi, bouffon? Reviens ici. You're not even hidden. Have you got it? I've been trying, Trevor. I've been trying. Come on over here, all right? I ain't gonna hit you. I've been trying. I know. I thought you said you wasn't gonna hit me. I thought you said you were gonna find fucking Michael Townley. There's two Michael Townleys living in LS. One is 83 and the other one is at kindergarten. I asked the teacher to put him on the phone just to be safe, but she threatened to call the cops. I ain't no molester, Trevor. Shut up before I molest you, all right? Now, is there anything else? I looked through the phone directory. I did find a Michael DeSanta, about the right age, married with two kids. What's his wife's name? Amanda. Amanda? Yeah. You're a genius, you moron. Come on, come here. Woo! Don't you ever not tell me things I want to know! Sorry, Trevor. Run, you little bastard! Get out here! We're going to Los Santos. Are we? Not you, me and Wade. What about me? You're CEO of Trevor Phillips Enterprises. Find us some business so that we can make some money. And tidy my shit up. Let's go, Wade, come on. I'm driving. You can jerk me off if I get bored. I'm joking. You can suck me off. Are we gonna stop for ice cream? So we're heading to Los Santos then? Soon. I gotta make a stop. Oh, what's your stop? Ice cream? Road trip? We taking this one? Get in. Je crois que ce pauvre petit est un petit peu attardé.
It's just my cousin there, Floyd. He's bunked in with his girlfriend someplace called Vespucci Beach. So, what's the stop? Family's important, Wade. Not as important as the man that's employed you, mentored you, and fed you amphetamines this last year, but it's important. We gotta pay this cousin a visit. I ain't seen him in a while, Trevor. All the more reason to drop by. Bon, bah apparemment on va voir le cousin de Wade. Nice, but where are we stopping on the way? Cause you know I'm getting kind of wet over here. For fuck's sakes! Another chapter of the Lost descended on this fine town. Looking to mourn, maybe revenge their dead. I was thinking me and you could pay our respects. C'est vraiment des bâtards. Tout est une bonne excuse pour aller buter du Lost. Je comprends tout à fait, mais c'est quand même des gros bâtards. The Lost Camp. Ooh, I got some fond memories of this place. Hop. Ouh. En plus, il commence à y avoir un peu d'orage, donc je me dis que ça va être un petit peu la merde. Je parie sur une caravane qui va flamber suite à un éclair. The assholes here. They slipped. Ice took a hold of this whole place. You're lost. Not forgotten, brothers. We'll find that motherfucker. Il va pas y avoir besoin de le trouver, hein. Bombs and that pistol with the thing that makes it quiet on it. Yeah, I took them. On va y aller discrètement pour poser les bombes collantes. On va essayer de pas se faire repérer. Ça évitera de foutre la merde. There you go. Et voilà une. Hop. On continue. Le but, ça va être de toutes les poser sans se faire choper. Et de se barrer en faisant tout péter. Putain, les Lost, ils sont là-bas. Hop. Ouais, si c'est bon, ça a marché. Allez, on continue. Putain, il faut pas que je me fasse repérer. Enfin, il vaut mieux éviter que je me fasse repérer. Ça vaudra mieux pour mon cul, j'ai pas envie de me battre. Et en plus, j'ai que la moitié de ma vie. Donc, ça vaudra mieux pour moi de la jouer en mode Splinter Cell. Allez hop, monte. Là, celle-là. On fait... Bim. Voilà. Ah merde, c'était pas la bonne. Non, c'était pas la bonne du tout. La bonne, c'est celle-là. Voilà. Allez. Putain, ils ont chopé mon pote, je crois. Ah non. Allez, Trevor, dépêche. Hop, on va balancer ça là-bas. Ça a marché. Plus qu'une. Allez. On le fait discretos. C'est celle-là. Hop. Et on se casse. Oups. Bon, tant pis, on fait tout péter. Bon, tu fais tout péter ou quoi? Je suis garé là-bas, moi. Oh, comment on fait tout péter? Ah, voilà, je me bourrais de boutons aussi. Et ben voilà. Wade est juste là. Bon, par contre, on va éliminer encore quelques connards. Hop, histoire de finir le taf correctement. C'est con que je me sois fait repérer sur la fin. Toi, tu vas crever. Hop. Bon, pour l'instant, j'ai pas trop besoin de ça. Voilà. Hop. Toi, tu vas crever. Allez, debout!
Hop, toi tu meurs et il en reste un. Allez. Oh, il en reste deux en fait. Hop. Et trois en fait. Il est où? Il est où? Il est où? Et il est mort. Ah non, pas encore. Là, il est mort. Et voilà, maintenant on retourne voir Wade et on se casse. C'est bon Wade, on va voir ton cousin. Time to hit the road, Wadey. Los Santos, here we come. Got go okay? I heard about the banging and screaming, but they're not the nice kind. Yeah, it went good, Wade. We don't have to think about the loss no more. Let's go find my old buddy. This Michael Townley guy must have pissed you off real bad for you to want to find him so much. He didn't piss me off. The guys that killed him? The federal government, they pissed me off. But if he's dead, who's this? Now you're starting to grasp the pertinent questions. Who is this guy using my dead friend's tired-ass movie quotes? With my dead friend's alias? And my dead friend's family? And a house that must have been paid for with my dead friend's stashed millions? Wow, that's a real mindfuck. Yeah, I'll show you a fucking mindfuck. I'm gonna stick my boy in your eye, it's gonna come out of your ear, huh? I didn't mean anything by that, T! Trevor! Lube up your eye hole, fucker! Cause I'm gonna fuck your tiny mind, huh? I'm about ready to turn you into roadkill! Please! Don't turn me into anything! I just wanna be Wade! Ce pauvre Wade en prend vraiment plein la gueule. There yet? C'est vraiment une pauvre victime. Are we nearly there? You keep this up, you're not gonna get there at all! Can you tell me a story? No, Wade. Let's play a game then. You know animal, mineral, or vegetable? I'll go first. I'm nanotechnology. You're what? Ooh! Damn it! I gave it away. I wasn't supposed to say what I am. I'll start again. Animal, vegetable, or mineral? Hey, how about this? I'll tell you a story if you promise never to speak again. I like stories. Of course you do. This story's about a boy called Trisha. Is Trisha a boy's name? It doesn't matter. Sounds weird. He was weird. He was the smartest, toughest, weirdest kid in Canada. Well, right there, Los Santos. The end of the fucking earth. Oh, this is it. This is it. Oh merde, on n'a pas eu la fin de l'histoire. Oh, this is Los Santos. I guess it is. I always wanted to come here. But you got stuck in the desert? It's still San Andreas. Best part of the state. Bon, on est presque chez le cousin de l'autre attardé. Je suppose qu'il va pas être très très content de nous voir. À moins qu'on n'aille pas chez son cousin, mais qu'on regarde un beau panorama de la ville. So... This is where dead men come back to life. It's been nearly 10 years. But you'll keep for another day or so, huh, old friend? You motherfucking fuck! I grieved for you! You weren't even fucking dead. You were my best friend. Well, guess who's coming to shit on your doorstep, you fuck! Il n'est pas très content là, Trevor. Los Santos, the city of shitheads. Where else? L'appartement du cousin de Wade. Hop. Putain, mais il habite encore loin, ce con. Will you tell me the story about that boy, Trisha? Ah, yeah. Where were we? Right. So, this kid, he could fly planes. So, he signed up for the Air Force to fly all day long and bomb villages and maybe, just maybe, drop the nuke. And it was all going well until one day, just before he got his wings, an evil witch in charge of psychological evaluations told him he was unstable and grounded him for life. That's terrible. It was. Sent him into a deep pit of doubt. Despair. And just then, just as he hit rock bottom, he met a fat, silver-tongued troll under a bridge. That's cool. What was the troll's name?
Mike! Michelle! A lady troll? Yeah, he had tits, like one, but no, he was a boy. Michelle is a funny name for a boy. Well, this was a funny boy. He sat under his bridge, robbing anyone who passed him by. Sometimes, he'd go into town and rob the shops and inns and such. And he persuaded our hero that maybe he should rob people too. And you know what? Little Trisha did rob people, and little Trisha was good at it. Je change de voiture parce que je préfère celle-là, elle est plus classe. Mais sinon, on va le laisser continuer son histoire tranquille. Allez, monte, débilos. For a while, until the troll met another troll in a strip club, and they fell in lust, and he bought her a pair of fake troll tits, even bigger than his real troll tits, so she could make more money stripping, and maybe a little on the side without call work. But you didn't hear that from me. Wow! And then, she pushed out a pair of little trolls, and the big bad troll under the bridge went soft. Hold on, what? So little Trevor made a new friend called Brad, and he was thinking about cutting Mike off when it all went to shit, and Mike got killed and Brad went to jail. Did all the names just change, or am I missing something? Shut up! And then the fat ugly troll came back from the dead, and the news picked it up. Our hero decided to go out looking for him. Oh, we're near Floyd's house. I seen it on iPhone maps. I'll give you directions. En fait, Trevor va compter son histoire à travers des personnages inventés. Et donc, on sait qu'il s'est engagé dans l'armée, mais qu'il n'a, suite à une évaluation psychologique, il n'a pas été apte à aller voler. Donc, il a été interdit de vol à vie. Oh putain, ça sent la noisette. Bon, on va voir ce que ça donne. Who? Me, Wade, your cousin. Who? Your cousin! Fuck! He's come to visit you, you rude fuck. Now get up off the floor and fix me a fucking drink. Oh, you Wade. I heard you was off smoking meth somewhere. No, not somewhere. Here, he's gonna smoke meth here. Give me a fucking lighter. You can't smoke here. Okay. This is my girlfriend's place. She's at a business conference. You can't smoke here and you can't stay here. How's it going, cousin? It's been a while. Yeah, I ain't seen you since you was caught in Evelyn's bed. A guy was never proved. You gotta go, both of you. My girlfriend, she'd kill me if she knew I had guests. Well, it's not much of a girlfriend if she don't like your family. Now, would you get me a fucking drink? I'm not gonna ask you again. Oh, yeah, okay. Wait. I ain't got no booze. Well, then you go out and fucking get me something. You go too. All right. Okay. Fuck. Putain. Trevor s'est fait une nouvelle maison. C'est pas mal. C'est bien joué. Et il s'est gavé. Bon, par contre, il me manquait un ou deux tirs à la tête. Cadeau mystère, je sais pas ce que c'était. Hop, bon, on va voir un petit peu. Là, il y a les fringues, tout, nickel. Et on peut reprendre Michael si on en a envie. Et c'est Trevor qui a le plus de missions, mais on va quand même aller voir avec Michael. Où c'est qu'il est? Qu'est-ce qu'il est en train de foutre? Ce qui est marrant avec Trevor, c'est que de temps en temps, quand on revient à lui, il est dans des situations complètement loufoques. Genre l'autre fois j'ai pris Trevor et il était en train de décuver sur des rails. Donc tout est normal, tout va bien, tranquillou. Mais il avait passé la nuit à picoler et il s'est réveillé sur des rails. Ah, fuck is this shit. Ah, à mon avis, on a commencé la nouvelle mission. Of course not. I have only got myself to blame for the mess these kids are in. You are either drunk, or you're staring miserably at the clouds, or you're out there doing God only knows what. Oh, yeah. I done horrible by you. Pulled you out of a Midwestern trailer park, got you a big mansion in Rockford Hills. Hell, the only thing you gotta worry about anymore is what part of your body you wanna have chopped off or sucked out again. Screw you, Michael. Ah, but you won't. I was faithful to you up until I found you in a stripper. I would divorce your ass if I could. You are nothing but a murdering, cheating,
hypocrite! Thank you, Michael, whatever the fuck our fake last name is! You have ruined my serenity yet again! My yoga is fucked! Oh, is that what they're calling it now? You and your fucking yoga! Did someone say yoga? Oh, hello, Fabian, darling. Namaste. Namaste. You must be Mikael. Namaste. Nah, Michael, fuck yourself. Michael! You've got to work on your anger, brother. It's killing you. Yeah, tell me about it. Ah! There you are, you little shit. Are you looking for this? No. Very funny. You know, you're a real asshole. What did you just fucking say to me? Stop it! You're ruining my fucking yoga! Somebody say yoga? Trevor? Michael. Hey. It's good to see you, man. Yeah, I bet it is. Of course, I'm not the one that's been resurrected. Ain't this grand, huh? Yeah, well, I got in a bit of an awkward situation. You're telling me, bro. Yeah. One of those fake your own deaths to your best buddy, and then run off with the dough, and then live in a big mansion. Awkward situations. It's one way of looking at it. Yeah, do you have any other ways of looking at it? Because I am all out. It was a long time ago, man. I've been in witness protection. I still am. That's great. That's great. I'm sorry. Where are my manners, right? Amanda, it is good to see you. Oh, I missed you. You used to be fatter. Nice new tits, by the way. Jimmy, you used to be thinner. But, can't blame you. Who are you? Namaste. I'm Fabian. Good Lord. Where's Tracy? Where's your sister, Jim? She's trying out for TV. She's what? Yeah, she's auditioning for Fame or Shame. Fame or Shame? The fuck are you talking about? You know, it's that talent / skills show. She loves it, you guys know that. What's her talent? Dancing. Oh, Christ, she's a horrible dancer. Michael! She might disagree with you on that. Jesus Christ, what, now? Now? Where? The Mays Bank Arena. Oh, little Tracy being humiliated. Let's go, we go get her. We? Yeah, we. What, are you gonna stand here and argue while your daughter becomes a national laughingstock? Huh? You're worse than I thought. Now let's go, come on! All right. Bon, bah apparemment on va aller chercher notre fille qui fait n'importe quoi. Et vous voyez, on peut personnaliser les plaques d'immatriculation. Donc j'ai un tout petit peu changé la mienne et j'ai mis Chatman. Je sais que normalement ça prend 2T, mais il n'y avait pas la place. Et il n'y avait pas non plus la place pour mettre Clément 1335, donc j'ai préféré mettre mon deuxième pseudo. Puisqu'il est un petit peu mieux, on va dire. Même s'il est peut-être un tout petit peu plus vulgaire. Mais je le préfère. Clément, comme c'est mon prénom, ça fait un petit peu moins pseudo. C'est sympa parce que ça donne une certaine proximité. Mais Chatman, c'est quand même un peu plus classe. You got blood under your nails and you look like you've been up for what? A week? Who the fuck are you to tell me anything? I'm someone who knows you, you fucking slippery snake. I know the second I leave you, you'll just go home. We're gonna get your gun, moron. Your girl from these assholes. You're not abandoning her like you did me and Brad. Yeah, Brad. Poor motherfucker must have woke up handcuffed to a hospital gurney after that stunt of yours. He still writes to me from the joint, you know. Really? Yeah. Okay. So, how you been doing? Oh, I'm getting by. Aside from the loneliness and heartbreak, of course. You live in Los Santos? A few hours away. Okay. From where? Sandy Shores.
The Alamo Sea. Ah, here it's nice there. You're fucking beautiful. I mean, we ain't got the tennis courts, the golf links, all the pumped-up plastic sluts you're used to out here, but, well, you know, it'll do. Yeah, well, you know, I'd ask you to stay, but... Yeah, don't worry, all right? I got somewhere to crash while we work things out. With actual friends. We got things to work out. Yes, sirree. Bon, apparemment Trevor est pas très content, mais ça on pouvait s'y attendre. Et il veut mettre les choses au point avec Michael. Et on est presque arrivé dans ce stade de merde, le Maze Bank Arena. Hop. Hop, on va passer par ici. Pourquoi je suis bloqué? Ça, ce con de panneau, tiens, prends ça dans ta gueule. Et on va se garer là, comme des pros. Hop. Et on va aller chercher la fille. Ta gueule, on y go. Come on, you dipshit. Ah, that host, man, he's like any closeted TV presenter, bitter as fucking vinegar. Where the fuck are they? Hello, sir. May I please have your name? Where the fuck is Tracy Townley, huh? Tracy fucking DeSanta. Fuck, screw that. Where the fuck's Laszlo? All right. Yeah. That was really all right. It's the auditions, Fame or Shame, season 14, right here in Vinewood, San Andreas. Coming up next, it's Tracy DeSanta. Judges, Tracy DeSanta. Yes. Hi. All right. Tracy's a dancer, but she also likes acting, modeling, and working with children. That's beautiful. You're so original, like a basket full of puppies or a rainbow or a pile of puke. Oh. Who are these clowns? That's my dad and Trevor? Two dads. Great. Wow. Very San Andreas. What are you guys doing here? Yeah, what are you doing here? Okay, I'm back. Relax, chill, make yourself at home. He's got a little show to do here. Okay. Three, two, one. All right, it's Fame or Shame for Tracy DeSanta. Music. When I came home last night, you wouldn't make love to me. You went fast asleep. Yeah. You wouldn't even talk to me. Shake what your daddy's gave you, honey. I'm so crazy. Ooh, your dad's stuff a 20 in this. Fucking do something about this. That's enough. Oh, I said that's enough. Oh, hey, I got security. Security! What you fucking say? Come on, big guy. Come on there. No. Fuck. No. Come here, you little shit. Allez, ça va encore partir en sucette. Hey, you little prick. Allez, let's go. Non, c'est pas ça que je voulais faire. On peut pas switcher sur Michael, mais ça, je m'y attendais. C'est avec Trevor qu'on casse le mieux la gueule des méchants, enfin des méchants. Des personnes qui font leur boulot, plus ou moins honnêtement. Hop, la voiture rouge, je sais pas ce qu'il y a dans la voiture rouge mais on doit prendre le camion. Toi tu descends. Pourquoi j'ai le camion en fait? Ouais ben je fais ce que je peux, c'est pas maniable du tout cette merde. Hey, you raise a daughter in this town, you get used to stunts. It's poor parenting. Now thanks for the fucking feedback. It means a lot coming from you. No one's getting in the way of the big rig. We'll flatten this dick bag. Putain, mais fallait prévenir avant qu'on pouvait détacher la remorque. I knew he was an asshole. Allez, on va se le choper, ça devrait pas être très long. Just push him off the fucking road. It's only a battery car. Come on. Allez. Je vais essayer de lui péter les roues ou de faire quelque chose qui puisse endommager sa caisse. Ta mère! Putain, je l'ai manqué le tournant. Mais je devrais réussir à le rattraper. Dégage-toi! Oh putain, j'aurais dû tourner direct sur les voies du train. Hop. Oh putain, ta maman!
Well, let's not try to kill this prick, all right? When we crush his little toy car, who knows what'll happen? Il est là-bas. Je le vois à peu près. Merde, on peut pas centrer la vue sur sa bagnole. Hop, on va essayer de le rattraper. Sans faire de conneries. Hop, tranquille ou pépère. Can we speed it up a little? Huh? Maybe by throwing your fat carcass over the side. Allez, allez, allez. Yes, on rattrape. On rattrape. Je pense qu'on peut pas le rattraper et qu'il va se planter tout seul en fait. Allez, allez, tourne. Hop. Allez. Right, up there. Can't get enough. Allez, allez, allez. 10 fucking minutes in LS. Shut up. Allez. Bon, on va faire ça. Autant qu'on peut. Casse-toi la voiture bleue là. Putain, mais il va loin ce connard. Ouh. Oh, ça c'était exceptionnel. Et c'est dans la boîte. C'est magnifique. Par contre, je sais pas si vous avez entendu, mais le timer a sonné, donc dès qu'on a fini la mission, on va arrêter. Allez. Allez, roule mon pote. Ah, il s'est planté. Je l'avais dit. Ah merde, je voulais lui foncer dans sa caisse. On va lui casser la gueule. Guys, you run out of batteries, huh? I didn't mean anything by it, all right? Oh yeah. Well, that little girl sat on my lap when she was 2 years old, and I swore to God that I would rip the fucking skin off anyone who fucking wronged her. Look, I'm just a dumb A-list celebrity trying to entertain America, okay? I got a lot of stuff going on right now, dude, besides you trying to kill me. Now I got multiple sexual harassment lawsuits, plus I'm an addict, all right? And I've relapsed. I can't stop jacking, dude. I jack it in traffic. What's your talent, huh? I mean, aside from love and sex. Dude, haven't you seen my show? It's not live, it's not funny. That's my genius, I got no fucking talent. You clearly ain't being humble, T. You proved your point. This is your daughter. You should be wanting to rip the fucking ponytail off the back of this guy's head. And you! Pants off. Okay. There you go. All right. What are you doing? Now, I want you to dance sexy, celebrity. I mean, I need music or... Are you trying to fucking annoy me, huh? I'll dance. Good. All right, all right. Now drop it like it's hot, all right? I want to see you get nice and low. Come on, lower, lower, come on. Oh, please don't kill me, okay? I'm supposed to be on a magazine cover next week. All right, come on, get up. Take off, go, now, before I change my mind. I got it all on my camera, you fucking pussy. The world's gonna see your shit. I'm going home. How the fuck did you do it without me for 9 years, huh? Oh shit. Dave, we need to talk. I was about to tell you the same thing. Okay, meet me at Galileo Observatory as soon as you can get there. Okay. Et voilà, mission terminée. L'impôt 103% à portée de main, je me gare où je veux, bien raccroché. Bien accroché, je sais pas du tout ce que ça signifie. Mais j'ai putain de réussi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vert, un commentaire pour me le faire savoir. Ça me ferait très très plaisir. Et donc moi je vous dis à très très bientôt pour la suite. Et c'est à peu près tout. Donc d'ici là, portez-vous très très bien. Et bah à très bientôt. Allez, ciao. That I need, oh, is the one.